Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Academia School Simulator. Et on a atteint pas mal de vues, donc je suis vraiment content parce que, en fait, là, je pourrais même sortir 2 ou 3 épisodes à suivre. On a largement dépassé les 800 ou 900 vues sur le Let's Play, donc merci à tous de me suivre. Je voulais je vous inviter, par exemple, à me suivre sur Twitter si vous voulez être mis au courant des vidéos qui vont sortir. Et sinon, bah, vous avez plein de let's play en ce moment à suivre, donc allez-y, il y a l'embarras du choix. Des nouveaux let's play, des plus anciens, mais il y a vraiment pas mal de choses. Alors, ce que j'ai fait en dehors de la vidéo, en fait, je vais vous montrer. J'ai refait. Alors d'abord, j'ai engagé pas mal de personnes pour le nettoyage parce que c'était visiblement un gros problème. Je pourrais même peut-être mettre plus de poubelles maintenant. J'en ai 8 au lieu de 5, je crois, ou 6. J'espère qu'on va avoir une autre note que F cette fois. J'ai aussi engagé un peu de sécurité. Peut-être un ou deux, je ne sais pas combien j'en avais exactement avant. Mais en tout cas, ouais, peut-être qu'un. J'ai refait tous les chemins pour le nettoyage en général. Là, il y en a un, là, il y en a deux. Il y a un grand chemin qui fait tout l'extérieur, où là j'en ai mis deux, je crois. Il y a un chemin qui fait la librairie, le running track, et un petit peu de l'extérieur. Il y en a un qui fait toute cette zone, un autre qui fait toute cette zone. Enfin, j'ai essayé, voilà, de répartir un petit peu. J'ai mis donc les pots de fleurs là pour essayer de faire en sorte qu'ils prennent un peu plus les pistes. Mais je crois qu'à la fin, je serai obligé de tout soit de tout bitumer quoi tout simplement ou on verra comment on fait mais j'ai un peu peur que ce soit compliqué en laissant ça comme ça. J'étais en train de regarder si j'avais tout réparé partout, peut-être pas. Alors on est au début de l'année, on va voir s'il y a un problème sur par exemple les toilettes parce que on a vu qu'on avait donc des nouveaux élèves et que ça allait peut-être être compliqué pour ce qui est de la cantine, par exemple. Alors, je regarde si j'ai mis des poubelles partout maintenant. Il y en a dans chaque classe, il y en a quand même un peu partout. On va même en mettre une ici. Ok, honnêtement, on va bien commencer l'année, je pense. On va envoyer un de nos profs à l'école aussi, on avait dit. Alors, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai bien fait d'en recruter un. En fait, il faut en basculer un dans le pool. Donc j'ai pris le langage le plus mauvais. Parce que le nouveau a 55 de score. Et en fait, on va le train sur le review. En fait, il s'améliore en tout. C'est 56 points répartis sur tout. Ça coûte pas très cher. Mais comme moi, je vais les spécialiser, on va faire le séminaire. Donc le spécialiser dans le langage. C'est sa meilleure stade à la base, hein. C'est pour ça qu'il a été embauché. Et on va le faire sur 8 jours, puisqu'on a un prof là qui est pas mal à sa place. Et on va même peut-être essayer de lui donner un trait de caractéristique. Et il a une chance de s'améliorer de 61. À mon avis, ça m'étonnerait, j'y crois pas du tout. Parce que ça le mettrait à 95. Bon, on verra. On va payer. Ok. Yes. Et donc il va. Il est bloqué pendant toute l'année. Et il va peut-être s'en aller d'ailleurs. Et quand il va revenir, on verra ce qu'il vaut. Ok. Bon, alors c'est pas mal du coup. Pourquoi train one teacher? Pourquoi je l'ai pas eu la récompense là? Ah, je crois que c'est vraiment à la lettre qu'il faut faire train et pas. C'est pas grave. On va aussi virer le mathématicien, peut-être. PI. Math, ouais. On va embaucher celui-là. Lui, on va le mettre dans le pool. On va le remonter ici. Ok. Et du coup, on va le train. Ah bah si. Ah, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va faire un jour. Et ça va nous donner la mission, je pense. Train.
Ok, on verra. En fait, il faut peut-être que juste ce soit fini. Donc là, c'est bien. Ils prennent le chemin grâce au truc que j'ai rajouté au bout, là. Donc au moins, ils arriveront jusqu'à chez nous propres. Là, il n'en reste pas moins qu'il y a un petit souci, évidemment. On pourrait faire des chemins. Parce que là, en fait, en fait, ce que je voulais au début, c'est un peu plus coller le bâtiment à la route. Mais ça, c'est raté, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, il est trop tard pour avoir des regrets. Alors, on va voir ce qui se passe. Hein, parce que j'ai beaucoup plus d'élèves, évidemment. 112 élèves déjà. Oh, il y a déjà un smoker. On va peut-être être obligé de faire le vice. Voilà. Le vice principal. On va attendre. Ce qui va se passer, c'est que. Du coup, pour avoir la récompense ici, il faut que j'attende. Sans doute la fin de la formation. Donc, on va laisser passer la journée. Et on va voir ce que ça donne. Il est bientôt l'heure. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils font de l'art, mais même. En dehors du cours, en fait, parce que. Les cours sont pas commencés à 7h. Hein. Non, ça commence à 8h. Donc à 8h, la récré va être. C'est la fin de la récré. Hop, tout le monde y va. Alors, on va voir si tout le monde se répartit correctement. Et ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Alors, du coup, il n'y en a plus aucun en classe. Hein. C'est bien parce qu'ils apprennent beaucoup plus dans les classes spécialisées. Ah si, il y a eux qui sont en classe, pardon. Le principe, évidemment, c'est qu'ils apprennent beaucoup plus. Dans les salles spécialisées que dans les salles neutres, on va dire, de classe. Alors pourquoi il n'y a personne qui nettoie là? Après, j'ai mis beaucoup plus de monde à nettoyer, mais j'ai pas l'impression que ça nettoie beaucoup là. Lui, c'est quoi? Non, lui, c'est la sécurité. Alors, c'est ça qui m'énerve un peu, normalement. Ah, j'ai oublié de mettre le janitor ici, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ce bin? Je suis sûr de l'avoir mis pourtant. Ça non, ça non. Ça non. Ça non. Bah fuck alors. On va être obligé de revoir les choses un peu. En plus, je suis plus qu'à 368. On va. La plus longue, c'est celle-là. C'est celle qui allait un peu partout. On va la supprimer. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle va tout à l'extérieur. Ouais, on voit que c'est partout à l'extérieur. Et c'était pas la plus longue a priori. Ah si, sans doute, ceci. Bon, alors là, je suis un peu déçu. Je croyais avoir fait ça comme il faut. Du coup, on n'a pas besoin. Tout est couvert, hein, grosso modo, quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. On va quand même aller s'occuper du track ici. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Ils ont pas l'air de le salir vraiment, mais. Et du coup, on va en mettre un. Une seule personne là-dessus, évidemment. Ok. Et il y a une personne de libre qu'on va mettre sur la route la plus longue. Celle-là. La route la plus longue, je sais pas où elle est, mais c'est celle qui fait tout l'extérieur, sans doute. Parce que là, en fait, c'était sale, alors que le but, vraiment, c'est que les choses s'améliorent, et c'était pas parti pour, là. Donc, ça avait le don de m'énerver un peu, je dois dire. Alors. Ce qui m'inquiète donc, c'est les moments. C'est quand il va falloir bouffer en fait. Donc là, on va voir à 11h. Je crois qu'à 11h, personne ne mange encore. Ah si, il y en a deux qui mangent justement. Donc là, il y a deux classes en pause. Ça a l'air de fonctionner, grosso modo. Ça se balade un peu, mais il y en a qui vont à la salle Common. Il y en a qui vont à la librairie. D'autres qui vont faire de la peinture. Pourquoi pas. Et la question, ça va être à 11h. Déjà, ça commence bien là. À 11h, il y en a deux qui mangent. J'ai l'impression qu'il y a de la place, c'est déjà ça. Alors, moi, ce qui m'inquiétait, évidemment,
C'était le chiffre ici. Est-ce qu'on va avoir des gens qui ne mangent pas? Je pense ce qui se passait avant, c'est que soit ils mangeaient trop tôt, soit ils mangeaient trop tard, j'avoue. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu mieux cette fois. Par contre, il y a ça qui m'inquiète. Ah, c'est bon. On va les envoyer. On va en envoyer un ici et un ici. Ah, j'ai peut-être supprimé la classe qui faisait la détention. Ça, c'est fort possible. Du coup, je sais plus où c'est. Ici, c'est dans les rapports, forcément. C'est là. Okay. Je les mets pas tous au proviseur parce que. Alors là, donc, il est 11h. Donc, on a fini la première fournée, entre guillemets. Et donc, on va passer sur la deuxième. Ah non, lunch, ça, c'est pas bon, ça. À 1h. Si, c'est normal. Ah, si, c'est normal. 11h et 1h, j'ai mis. Pourquoi pas? J'aurais pu mettre 11h et midi. Mais c'est mieux, c'est plus équilibré comme ça. Là, ça fait 2, 2, 2. J'espère que ça sera bon. Donc là, il n'y a personne en pause, tout le monde travaille, d'accord. Par contre, la propreté laisse à désirer. Alors lui, il nettoie, ça c'est cool. Il y a quand même plus de nettoyage qu'avant. Lui, il nettoie. On est vraiment. Alors là, j'ai deux classes qui mangent. A priori, il y a où s'asseoir. On est limite. Ce qui veut dire que si je rajoute. Oh, par contre, c'est ça qui va être chaud, peut-être. Je crois qu'il va falloir que j'ouvre plus de toilettes. Surtout s'il y en a des cassées. Comment se fait qu'il y a autant de monde dans les toilettes, quoi? C'est la folie. Ça, c'est pas bon. Hein. Pour l'instant, pas de rapport négatif. Mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose quand même, là, pour le coup. Voilà, là tout le monde, 2h44, c'est bientôt la fin de la journée. On est quand même limite pour ce qui est de l'argent, mais bon. Alors, one of your teachers has reached retirement age and has decided to retire. Ah merde. On va quand même essayer ça, mais du coup ça va nous coûter cher. Mais j'avoue que. D'accord, donc on a gagné plus 5 ou pas du coup? Ce qui me plaît pas, c'est que on va avoir un teacher en moins. Alors je sais pas, il nous a pas dit quand. On verra. All year classroom. Ah, et donc il y en a un qui est parti. Ah, c'est l'history. D'accord. Ok, history. Ça, c'est la vacherie. En plus, il s'en va comme ça, sans préavis. Ok. Alors, history, du coup. Ça va coûter un bras encore cette affaire. Je sais pas quel niveau il avait, mais on va essayer de trouver un. On va essayer d'en trouver un qui tienne la route, putain. À chaque fois, c'est 200 dollars qui s'en vont en fumée. Ça, il va jamais me donner. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Tout le monde. Ok, faut bien là qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 4 à chaque fois. A priori, c'est bon. Ok, bon, bah c'était une première journée plutôt sans encombre, je pense. Ce qui m'intéressait, c'était de voir s'ils mangeraient tous. Grosso modo, pour moi, la journée est finie là. On va faire le. Attention. On va diminuer la vitesse. Va-t-il réussir? Ah, bam, dans la tête. Quelle violence. Bon, bah il est heartbroken. Désolé, mon coco. Ah, bah tant pis pour lui, hein. Il n'avait qu'à mieux choisir. J'ai mal pour lui. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est la fin de la journée. Ça, c'est cool. Du coup,
coup, j'ai vraiment l'impression que ça marche pas en fait. On va voir au début de la journée prochaine, mais ça nous a pas dit combien de points on avait gagné, ceci dit. Je suis un peu déçu là, si ça marche pas, je vais être obligé d'abandonner le truc. En tout cas, je suis content parce que la première journée s'est bien passée. On a un peu craqué toutes nos thunes là, mais c'est pas grave. Ok, donc c'est officiel, ça marche pas. Ça marche pas puisque là je viens de le faire. Send one of your teachers to the teacher pool in the department menu. Click on the train button to access teacher training. Then wait for the teacher to finish training. Ah, ça j'aime pas quand les trucs bug. Là j'ai pas eu de gens mécontents quoi. C'est vraiment super ça. Alors ce que je vais faire c'est que. Ah, elle a pas fini. Patience. Je pense que faut que le. Il y ait 24 heures de passé ou il y a un truc qui est pas fini en fait. Ou alors peut-être qu'elle recommence review. Ah, review peut-être. Plus 2, plus 4, plus 1. Voilà, donc le problème c'est que c'est des traits aléatoires. Et puis en plus elle a gagné Very Demanding. Donc. Ce qui est chiant, c'est que c'est des trucs aléatoires, et comme elle, elle était spécialisée par exemple dans les maths, donc ça, franchement, ça lui sert pas à grand-chose. Bon, pourquoi pas. Le but, honnêtement, c'était de faire déjà la mission. On va pas trop utiliser... on va la laisser ne rien faire, c'est pas grave, elle ne coûte pas très cher, elle est pas top. Et on va faire ça, je crois. Mais alors, le problème, c'est que ça va nous mettre encore plus en déficit. Donc on va plutôt prendre un truc genre School Architect, c'est quoi? Non, ça m'intéresse pas. Il y avait d'autres trucs à faire. Non, voilà, ça. Build Music Room. En plus, on a déjà fait la recherche, donc il reste plus... Oui, on avait déjà fait la recherche, c'est pas faux ça. Il ne reste plus qu'à construire la pièce ici. Donc ça, c'est tout bénef pour nous. Faudra qu'on change un peu la course des gens qui font la sécurité et des gens qui font le ménage. Mais c'est un moindre mal. On va améliorer encore nos élèves. Je sais pas dans quel domaine du coup, dans la musique, ça va être quoi. Parce qu'on avait déjà les arts ici, donc... je sais pas, on verra. C'est peut-être encore les arts. Alors, musique, zone, art room, AV room, common, music room. Ah mais non, mais en fait, c'est peut-être pour les occuper pendant la pause, tout simplement. On verra. On verra. Alors, qu'est-ce qu'il faut là? Un cabinet, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. C'est ça qui est bien fait dans ce jeu quand même, c'est que si on veut savoir ce qu'il faut de base, il suffit de prendre ça. Et ça, c'est plutôt cool du coup. Ok. Bon, ça, on va en mettre un ici. Ok. On va mettre un cabinet ici. On va mettre assez de sièges pour tout le monde ou pas. Ça dépend s'il y a des cours en fait ou pas. On va dire qu'ils vont assister à des concerts. On va mettre pas mal de sièges. Est-ce qu'il faut que je mette toujours maintenant? Je mets toujours le trash. Ok, on va le mettre grosso modo à l'entrée. Et j'essaye aussi de temps en temps, pour maintenir la propreté et la santé de mes élèves, de mettre le hand sanitizer. Ensuite, on va faire le concrete ici. Ok, on va mettre... On va mettre les plantes. Pool. Merde, qu'est-ce que je cherche déjà? Allez, les plantes. Door. Floor. Ah, j'ai du mal, hein, je sais pas pourquoi. Je les trouvais pas. En fait, pour bien faire, faudrait que dans les angles...
J'en mette aussi. Pour éviter que... qu'il tourne n'importe comment en fait. C'est bête, mais c'est nécessaire. Ok. Là, c'est pas fini encore. Là, par exemple, ici, il en faut un. Et ça va dire, ça va leur permettre de prendre entre guillemets les virages correctement. C'est un peu ça. Ok, est-ce que j'ai envoyé tout le monde où il faut? Donc là, on va envoyer le premier, on va continuer à l'envoyer en détention. Et l'autre, on l'enverra chez le conseiller. Ouais, ça fonctionne plutôt bien, honnêtement. Si tout le monde arrive à se nourrir, moi je suis content. C'est déjà un gros pas de fait pour l'école. Qu'est-ce qu'il a laissé là? Il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi ça? Il a laissé un truc là, je sais pas ce que c'est. Flore. Je sais pas pourquoi il l'avait pas mis. Sans doute de ma faute. Alors là, on est à la pause sans doute. On va... En fait, le mieux c'est de regarder quel élève c'est. Classroom 4. Classroom 4 et il est 9h31. La classroom 4, 9h31, il devrait être en art. Nathan Lewis. Ah, donc ça compte bel et bien pour l'art. D'ailleurs, il n'y a pas de prof, c'est bizarre. Du coup, ils n'ont pas eu tous où s'asseoir. Alors, si ça compte vraiment pour les cours, il me faut assez de sièges pour tout le monde. Alors, c'est un peu différent, du coup. Je savais pas. On va en mettre deux de plus ici. Alors 2, 4, 5, 10, 15, 20, 21. Ouais, comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas de professeur. Student. Ouais, c'est fini. Oh là, j'aime pas qu'il passe par là, sérieux. On verra plus tard. Donc ça c'est sur leur temps libre en fait là. Alors attention, 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 attention. Si je fais rien là, ça va être dégueulasse dans 5 minutes, c'est dégueulasse. On va être obligé de supprimer ce chemin là. C'est celui qui fait 84, c'est celui-là. Ok, on va tout refaire. Bon, ça va pas être compliqué, ceci dit. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, et du coup il est super long évidemment, mais ça, je sais pas si c'est vraiment grave. Ok. Pour ce qui est de la sécurité, bon, pour l'instant on va pas y toucher. Donc si je regarde là, normalement tout est couvert. Hein. Franchement, c'est pas mal. J'espère que ça va améliorer la propreté. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on était en train de faire? Ah bah on a eu... Ah non, pourquoi on l'a pas eu? Ah, apply, pardon. En fait, on va voir tout. On le prend et en même temps, on le finit. J'avais oublié de le prendre. Ensuite, on est bien, on est à 21 000. On a un petit peu en déficit, mais bon, ça c'est pas grave. Ça, on s'en fout un peu. Ça me paraît compliqué, c'est un peu cher. Ah, les ordinateurs. Non, avant, je veux le principal en fait. Il faut que je recherche vice-principal. Alors. Ou alors, on peut rechercher aussi des choses assez simples. On va d'abord rechercher le principal. Vice-principal, ça s'appelle. Réfléchissons, réfléchissons. Vite et bien.
Merde, alors vice-principal, il est là. Ah, le délinquant, les bourses, ça j'aimais bien aussi. On va faire les deux en fait là. Je pense que le délinquant, les bourses, ça va nous plaire parce qu'on va les mettre à nettoyer en fait, grosso modo. Et ça va être plutôt cool. J'espère que la propreté va s'améliorer. Honnêtement, je fais tout pour là. J'ai investi quand même pas mal. Dans les rapports, on est comment? Eh ben, on est toujours parfait. Je pense qu'avec tous les pots là qu'on a mis maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui sortent des routes déjà. Donc c'est déjà pas mal. Pourquoi lui il est libre là? Je comprends pas. Ils l'ont pas chopé ou... Ouais, on est quand même beaucoup mieux. Hein, genre... Alors après, il y en a toujours qui coupent là quand le matin ils coupent. Ça, on verra. On verra un peu au fur et à mesure si on peut pas rajouter une route ici, peut-être. Un chemin. Là aussi, il y a un problème. En fait, bon, on verra. Ouais, ça se passe plutôt pas mal, honnêtement. Je fais le tour vite fait pour voir s'il n'y a pas des choses cassées. J'ai du mal à les voir, honnêtement, les trucs cassés. Ah, je suis impatient que ce soit fini, ça, qu'on puisse les mettre au boulot, tous ces sales morveux. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment beaucoup, beaucoup plus propre, hein. Sérieux, j'y arrive pas. Ah, c'est la fin de la deuxième journée. On a fini Delinquent Working. Clean Common Area. Clean cafétéria, clean toilette. Ah, génial, je vais leur faire faire ça absolument. Ah, je crois qu'on peut pas. Je sais pas si on va pouvoir en fait. On va voir, mais c'est pas, ça a pas l'air évident. Alors, ce que je vais faire quand même, je vais juste faire dishwashing master là. On n'est pas pressé de toute façon. Ce qui est bien, c'est que le soir, ils nettoient tout. C'est vraiment les élèves en fait qui salissent parce que dès que le soir, dès que les élèves sont partis, en fait, l'école elle est nickel. Enfin, presque. Ah, il y a peut-être un problème quand même. Si, normalement, ils doivent aller jusqu'au bout, donc je sais pas pourquoi c'est pas propre ici là. Bon. Ok, jour numéro 2, tout se passe plutôt pas mal. J'ai encore pas mal d'argent, donc on va pouvoir faire le principal là. On verra s'il a d'autres prérogatives que de s'occuper des délinquants. Il y a peut-être d'autres choses, hein. J'avoue que j'ai... De mémoire, je l'ai jamais fait ça, donc on va voir. Du coup, bah, c'est pareil que tout à l'heure, hein. Je l'ai perdu, je sais pas où c'est. Sérieux, je suis trop con. C'est là. Ah, en plus, il y a plusieurs vice-principales en fait. Ouais, d'accord, bon, on verra. Ça coûte un peu cher, c'est vrai. Mais après, ça rapporte quand même 7000. Après, il faut payer son salaire quand même. Mais bon, ça... La classe, là, le... L'école est relativement propre quand même. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, je suis assez content. J'ai bien avancé. J'ai résolu... quand même des problèmes hein, pour ce qui est de leur faire suivre des chemins corrects, ça c'est plutôt cool. J'ai construit un nouveau bâtiment, c'est plutôt cool parce que ça permet aussi de s'occuper lors de la pause. J'espère avoir amélioré la propreté, franchement si on pouvait avoir autre chose qu'un F quoi. Je me contenterais d'un D à la rigueur ou d'un C+, mais ça devrait pas être compliqué quoi, sérieux. Je comprends pas trop comment on peut être aussi mauvais en fait. Alors il y a des trucs endommagés là, mais j'espère qu'un de ces quatre ils les répareront sans moi parce que j'avoue que c'est assez barbant. Je vais essayer de voir si j'en ai pas oublié d'autres. En plus, le dos de la machine à vendre par exemple là, elle ressemble beaucoup. Ah, j'ai oublié l'Activity Hall. Ça c'est trop bête.
Merde, ça c'est bête. Il est pas trop tard? Non, il est pas trop tard. Donc ça c'est fait. Merde, pourquoi? Ah là, je j'arrive pas à voir. D. Je crois que c'est trop tard pour le troisième jour. 4, c'est bon. 5. On va faire celui-là. Là, on va repartir sur les gâteaux. On va repartir sur ça. Ça coûte un peu cher, mais a priori, ça les motive, alors pourquoi pas. Ouais, on va repartir sur ça. Alors, par contre, aussi, ils tombent beaucoup plus malades, j'ai remarqué, les jours où il y a les bake sales. Est-ce que c'est trop tard pour l'activity hall, là? Sérieux? J'ai l'impression que c'est trop tard. Bon, tant pis. Ok. J'ai juste loupé ça. C'est bête, on aurait pu avoir une année pleine vraiment bien là, mais du coup j'ai un peu foiré ça. Bon, c'est pas grave. Je suis pas sûr non plus que ce soit capital. Le vice-président sera bientôt fini, donc là je vais arrêter la vidéo, hein, parce que vraiment je ne veux pas la faire plus de 30 minutes, contrairement aux épisodes précédents. Prochain épisode, je pense que je vais faire évidemment la salle du vice-président, pour essayer de redresser un peu toute cette délinquance. Et puis, je crois que je vais faire des deuxièmes toilettes. Je vais tout de suite prévoir les deuxièmes toilettes que j'avais prévues dès le début, qui seront au bout là. Elles seront loin, mais je pense que c'est nécessaire. Parce que là, c'est le bazar. Il y a trop de monde. On risque des problèmes. Putain, ça, je sais pas pourquoi. Maintenant, il y en a 29. Pourquoi ça marchait Ok. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont partir, quoi. 29, je risque de perdre 29 élèves dans l'année. Et j'ai pas d'explication pour ça, et ça m'énerve quand il n'y a pas d'explication pour un truc. Parce que de la place, ils en ont, donc. On va voir, peut-être que c'est parce que on est le matin, et puis, je sais pas. Tout le monde peut s'asseoir là, donc je vois pas. Encore que. Est-ce que tout le monde peut s'asseoir? Je vois qu'il y en a qui traînent là. Bah non, well-fed. Le seul problème, ce serait les toilettes et le fun à la rigueur. Ah, lui, par contre, Hungry. Merde, évidemment, après, pour le retrouver où il est, super. Hein. C'est pas super top, j'avoue. Pourquoi il y en a qui sont Hungry et d'autres non? Hungry. Ou alors il s'est assis quelque part, peut-être? Non, c'est bon, c'est parce que ça va baisser, je pense, le chiffre. On va attendre la fin de la. Ah, je sais. Parce que je l'ai fait manger à 1 h, je crois. Et du coup, c'est encore trop tard, je parie. Faut que j'efface manger à midi. On va attendre la fin de la journée. Et. C'est 11 h le lunch. Ah, mais je peux pas mettre tout le monde à midi, quoi. Ça va être le drame si je mets tout le monde à midi. On va. Dans l'idéal, il faudrait mettre tout le monde à midi, quoi. Mais alors, du coup, il faut que je prévoie un self de 2 fois plus grand. C'est ça le problème. Mais ça, c'est problématique parce qu'il y en a qui vont se barrer. C'est sûr et certain. Ah, je suis déçu, ça avait marché le premier jour, même les 2 premiers jours, et pourquoi là tout d'un coup ça ne marche plus? Mystère. Et lui, il est toujours pas. Personne ne l'a chopé, je suis un peu. Je suis un peu déçu. C'est quand même très étrange, ça avait marché les 2 premiers jours, et ça ne marche plus maintenant. Parce que je pense que le restaurant est assez grand. On va essayer de les mettre à midi, parce que là, si tout le monde s'en va, c'est bon. Et il y a un vrai problème. 16, c'est pas énorme, c'est enfin, c'est un peu. C'est 12-13%, 14% peut-être de la population.
Si j'ai 14% de la population qui se barre avant la fin de l'année, ça va nous faire beaucoup moins d'argent, ça c'est clair. Bon, on verra. Il n'est pas minuit, il n'est pas à 7h, donc je vais essayer de changer les heures. Le but c'est qu'on ait des profs pour toutes les horaires, donc ça parfois c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. Je vous remercie à tous de me suivre. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour le prochain épisode. Allez-y, aimez la vidéo si vous l'aimez. Partagez et vous avez plein de let's play à suivre évidemment. Si vous avez des envies particulières, vous pouvez aussi me les dire. Envoyez-moi le nom des jeux. J'essaierai. Je promets pas que je le ferai parce que tout ne m'intéresse pas non plus. Il faut aussi que je choisisse un peu ce que je fais. Mais en tout cas, je jetterai un œil et si ça me plaît, si je connais pas, j'essaierai. Et si je connais et que ça me plaît, je ferai. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puisque d'habitude je passe ces épisodes-là le soir. Bonne soirée et au prochain épisode.